Salut à Team Ted, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour la Woodbox. Woodbox qui est très très classe ce mois-ci, hein, comme vous le voyez. J'ai un gros faible pour celle-là, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les consoles rétro. Mon but c'est d'avoir toutes les consoles rétro, quoi. Et avoir la box sous forme de NES, étant donné que c'est une console que j'ai pas encore et que je recherche hyper activement, surtout si elle était dans cet état-là, et ben forcément ça me fait un petit quelque chose. Donc déjà, la Woodbox en elle-même, vous voyez, super détaillée, super belle, bref, comme les boîtes de Woodbox classiques, toujours classe et bien faite. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Ça a l'air bien plein. Bon, alors je rappelle en même temps le principe de Woodbox. Le principe, c'est que c'est une box sociale qui se partage principalement sur Twitter avec le hashtag Woodbox. Vous prenez les photos, vous partagez, etc. Et vous avez même une chance de gagner des cadeaux. Alors, donc on commence avec le petit magazine qu'on regardera à la fin. Vous avez l'habitude maintenant. Et on attaque tout de suite. Alors, je sais pas. Ouais, si, je vais commencer par ça. On est en plein dans le thème. Enfin, dans le thème. Les beaux jours, faut-il encore en avoir? Quoique pour l'instant, je ne me plains pas. Puisque on a, et c'est vraiment classe, un moule à glaçons Super Mario. Avec Mario, les étoiles, les cubes, champignons, les pièces, la totale. Hein, il y a, vous voyez les petites figurines derrière, il y a la totale. Donc un petit moule à glaçons en silicone, hein, c'est souple, ça se tord. On va le sortir de sa boîte, ça sert à rien de le laisser dedans vu qu'il va être utilisé. Mais voilà, vous voyez le moule à glaçons bien souple. Ah, c'est vraiment classe, vraiment très très classe. Donc un premier cadeau, en plein dans la bonne période, hein, forcément ils font pas ça non plus au hasard. Et personnellement je trouve que ça déchire. Alors ça j'aime beaucoup 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 beaucoup. Le Safari Park, version Jurassic Park, plus Pokémon Dark au feu. C'est trop classe. J'aime Jurassic Park, Jurassic World, etc. J'aime beaucoup Pokémon. J'aime beaucoup, alors je n'ai plus le nom en tête, mais les petits badges en tissu comme ça à coudre. Là, il y a tout qui est regroupé en un, donc forcément, je suis un homme heureux. Ensuite, alors, bon, maintenant, c'est plus les badges, c'est les petits pins, mais on a le pins de la box de juillet 2016, donc la box rétro, le voilà, avec... une Dragon Ball, la Dragon Ball 4 étoiles, très chouette, très sympa. Ensuite, oh, alors ça j'aime bien, un cadre en bois avec une image en tissu pour Ghostbuster. Parce que comme vous le savez, Ghostbuster revient avec un nouveau film au cinéma qui est sujet à beaucoup de discussions, vu que c'est plus la même équipe, que c'est des femmes, que ça a l'air un peu moins sérieux, enfin, il y a un peu de tout sur la toile. Moi j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis pas non plus le plus convaincu. Mais le cadre en tout cas, lui, est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Alors, par contre là je vois une Batmobile, mais qu'est-ce que c'est? Build your own Batmobile. Batman, build your own. Ah, c'est un puzzle en 3D. C'est un puzzle 3D. Donc c'est un puzzle pour refaire complètement la Batmobile. Bah écoutez, vous savez que je suis pas fan des puzzles, hein, mais celui-là, je pense qu'il devrait me plaire. Il devrait me plaire pas mal. Ah, c'est bien fait en plus. Regardez. Vous voyez, c'est des planches comme ça, prédécoupées. Hop. Et vous assemblez le tout. C'est plus, je dirais même plus maquette que puzzle, hein, à ce point-là, on est... c'est plus une forme de papercraft, là. Et ben ça sera fait et ça sera posté sur Snapchat, Instagram, Twitter, enfin les réseaux sociaux, une fois que ça sera terminé. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, je vois un t-shirt. Oh, il a l'air très très beau celui-là. Alors, fais voir à quoi tu ressembles. Ah ouais. Ça, mes amis, c'est un t-shirt de chez T-shirt. Rayman, en façon dessin à la main.
avec un petit texte et tout. Alors, il y a marqué « Defender of good cause, of good cause, oh, good cause, honteux, ici. » Vous avez « Everything is possible », ici. Et après, « Fun, loving, etc. etc. » Un superbe t-shirt. Qui dit t-shirt, dit forcément tour de magie. Oh, c'est déjà fait. Même pas le temps de dire ma phrase que le tour est déjà fait. Et du coup, vous le voyez, le t-shirt hein, est quand même plutôt sympa. Hop. J'ai pas trop de recul, donc je monte comme je peux. Bah écoutez, une box rétro qui est franchement bien pleine de bons objets utiles. Le bac à glaçons, c'est vraiment cool. Le puzzle, je vais avoir du plaisir à le faire celui-là parce que c'est un type de puzzle que j'aime bien. Le cadre va être accroché. Le badge va être certainement cousu très vite. Le pin, ça, vous savez que j'aime toujours. Alors, au niveau de ça maintenant, parce que ça, on n'y a pas encore jeté un œil. Alors, comme d'habitude, la communauté des routeurs. J'aimerais bien finir en photo dedans un jour, j'avoue. Alors, ils nous font un petit rappel, c'est en ce moment, hein, c'est au moment où je tourne la vidéo. Voilà, qu'il y a la Japan Expo et j'y vais, je vous rappelle. Hein. Woodbox qui a apparemment un bon stand sur la Japan, je vais aller leur rendre une petite visite. La Mega Woodbox qui déchire. Avec une super bonne arcade. Alors, la licence DC Comics Batman, la Batmobile, valeur 10€, donc le puzzle. Le cadre d'une valeur de 10€, ouais, là je suis assez d'accord avec le prix parce que cadre en bois et tissu comme ça, c'est, même si c'est des petits trucs, c'est pas donné. Le moule à glaçons de valeur de 9€, il est même un petit peu moins cher, j'en ai acheté un Star Wars il y a pas... Non, c'est le prix, j'en ai acheté un Star Wars il y a pas longtemps, c'était 8€. Là, 9€ pour ce modèle-là, avec la boîte et tout, ouais, c'est ça. L'écusson Woodbox, 3€, ouais, on est dedans aussi. Le t-shirt, 20€. Oh, et le mois prochain, ça sent très très bon, les gens. Regardez. One Punch Man, le mois prochain, les amis. Ça sent très très bon, ça. One Punch Man. Est-ce que ça va être sur le thème de la Japanime ou est-ce que ça va être sur le thème de One Punch Man ou des animes récents, je ne sais pas. Mais ça donne envie. Ça donne très 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 envie. Voilà. Bah écoutez, une box très sympa que je vous recommande. Comme d'habitude, tous les liens sont en description en dessous. Allez faire un petit tour dans la description pour avoir toutes les infos. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux et dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao les amis, tiens.